Karim Boudjema, grand chirurgien, professeur Boudjema de Rennes, un des plus grands centres de chirurgie hépatique et de transplantation, à qui j'ai demandé de parler d'une meilleure accessibilité des greffons, mais pas uniquement, enfin de la technologie. Vas-y Karim. Merci à l'Académie de chirurgie et en particulier à Jacques Belghiti pour cette invitation qui peut-être un peu plus fort, cette invitation qui m'honore. Et en m'avançant vers le pupitre, je réalisais que j'étais le plus vieux déjà des orateurs, mais peu importe finalement, tant que je garderai l'enthousiasme pour le futur et le goût de la transgression, ce dont on a parlé à l'instant. Alors, avant de vous exposer la manière dont on peut arriver à une meilleure accessibilité à la greffe, en utilisant des greffons à critères élargis et les machines de perfusion, revenir sur un fait, que la transplantation hépatique est un traitement extraordinaire. C'est un traitement extraordinaire parce qu'il fait bien évidemment appel au don de soi, qu'il s'adresse à des malades extraordinairement graves, et avec des résultats extraordinairement bons. J'ai mis sur la droite de ma diapositive la survie globale des malades greffés du foie en France entre 2008 et 2018 dans le dernier rapport de l'Agence de la biomédecine qui montre que 10 ans après la transplantation, ou presque, 70% des malades sont en vie pour des maladies initialement au pronostic très sombre, pas plus de 2 ans en général. Cependant, tous les malades ne vont pas pouvoir être greffés. Ceci se traduit par deux figures. La première, à gauche, c'est la clearance de la liste nationale d'attente, la vitesse à laquelle la liste d'attente se vide parce que les malades sont transplantés. Vous voyez que dans les années 95-98, la moitié des malades étaient greffés au bout de 3 mois. Et qu'entre 2016 et 2018, bien la moitié, pour greffer la moitié des malades, il faut attendre 9 mois. Et pendant ces 9 mois, des malades vont mourir, faute d'avoir pu accéder à un greffon, ou des malades vont continuer d'évoluer, par exemple les malades atteints d'un carcinome hépatocellulaire, qui vont continuer de progresser et échapper à l'indication de transplantation hépatique. Cette incidence des décès en attente d'un greffon est aujourd'hui estimé à environ 15% à un an. C'est un échec de la transplantation quand on l'évalue en intention de traiter. Alors, quelle solution à cette difficulté ? On peut bien sûr limiter les indications et adapter le nombre des indications à la quantité des greffons disponibles. Mais ce n'est pas une solution. Bien au contraire, aujourd'hui, les indications sont de plus en plus fréquentes. La deuxième possibilité, très naturelle, c'est d'augmenter les ressources. Alors, on a pensé longtemps que la bipartition hépatique était une manière d'augmenter le nombre de greffons, de le doubler. Tous les foies ne sont pas splittables, pardonnez-moi cet anglicisme. Et puis la bipartition, qui génère un foie gauche petit, un foie droit plus volumineux, ne favorise que les enfants, finalement, puisque pour les adultes, un greffon adulte donne un demi-greffon droit pour un adulte. Le donneur vivant apparenté, on a bien essayé de développer cette technique en France, mais culturellement, je crois qu'on peut dire qu'elle est inadaptée à notre société. On a avancé la possibilité de réaliser des greffes dominos en utilisant des foies apparemment sains atteints d'un déficit enzymatique, mais cela ne génère que quelques greffons supplémentaires et il semble bien que la solution à notre problème se trouve dans le recours aux greffons marginaux. Ce sont des greffons issus de donneurs dont on dit qu'ils sont à critères élargis, DCE. Alors en gros, cela veut dire quoi ? Ce sont les donneurs qui ont un âge élevé entre guillemets, entre 60 ans et 100 ans. Il y a une publication qui rapporte une transplantation à l'aide d'un greffon centenaire qui a très bien marché. Les obèses, dont le BMI est supérieur à 30, parce qu'ils sont souvent porteurs d'un syndrome métabolique et d'une inflammation hépatique qui fait des dégâts fibrosants en particulier, source de non-fonction primaire du greffon. Les donneurs qui ont séjourné longtemps en réanimation avant le prélèvement, plus de 7 jours, ceux qui ont subi un collapsus, hypotension ou un arrêt cardiaque prolongé ou qui ont des vasoconstricteurs à dose élevée, les petits
petits greffons issus des splits, pardon. Et enfin, la cause du décès semble être génératrice de donneurs de greffons à marginaux. Les foies prélevées sur des donneurs en ischémie, des donneurs pendus, sont des greffons marginaux. Et puis, très important, les donneurs prélevés après arrêt cardiaque programmé, c'est ce que l'on appelle les donneurs décédés, pas pour décédé mort, mais donation after cardiac death. Alors ces donneurs décédés semblent représenter une source très importante de greffons. Les courbes sont ascendantes. On a commencé en France en 2015 et déjà en 2017, vous voyez que sur 199 donneurs décédés recensés, 47 ont pu être prélevés d'un greffon hépatique. Dysfonction initiale du greffon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire perte du greffon. Et la majorité des foies qui sont prélevées sur ces donneurs à critères élargis vont avoir un profil évolutif très particulier que j'ai représenté ici sur ces courbes. Le bon greffon va évoluer très rapidement vers une fonction rapidement optimale, alors que les donneurs prélevés sur des... Les greffons prélevés sur des donneurs à critères élargis vont, eux, naviguer entre deux eaux pendant longtemps avant soit de dysfonctionner et imposer une retransplantation, soit fonctionner mais toujours avec des complications, ou alors ne jamais fonctionner, augmentant ainsi la mortalité post-opératoire. Cet impact sur la survie des greffons et des greffés peut être exprimé à travers le calcul d'un risque, d'un index de risque chez le donneur, le Donor Risk Index, qui a été récemment rapporté par l'équipe de San Francisco et qui finalement est une équation compliquée qui intègre l'ensemble des paramètres que je viens de vous donner et qui caractérise donc le donneur marginal et le greffon marginal. Vous voyez que en utilisant ces greffons dont le donor risk index est élevé, on passe d'une survie à un an de 87% à 71%, ce qui est une chute considérable de la survie précoce des transplantés. Alors, comment améliorer la fonction post-opératoire des foies qui sont prélevées sur ces donneurs à critères élargis ? On peut toujours essayer de travailler du côté du donneur en améliorant la qualité de la réanimation, mais ce sont des sujets qui donnent de manière inopinée. Ça ne se calcule pas, on a très peu de temps et les fonctions métaboliques sont très altérées par la nécrose encéphalique. Extrêmement difficile, beaucoup d'études s'y sont consacrées, on n'a jamais réussi à le faire correctement. On peut aussi s'intéresser au receveur et se dire qu'on va optimiser la réanimation post-opératoire. Mais c'est ce que l'on fait déjà tous les jours. Nous optimisons tous la réanimation post-opératoire de nos receveurs. Et la solution, c'est peut-être de travailler sur le greffon. Entre le moment où le greffon est prélevé et le moment où il est transplanté, c'est à ce moment-là qu'il est peut-être possible d'agir, soit pour amener à la greffe un greffon en état au moins identique à celui dans lequel il était au moment où on l'a prélevé, voire meilleur qu'au moment où il a été prélevé. Et c'est cet aspect-là des choses que je voudrais maintenant développer. Alors la conservation classique des greffons, celle qu'il se pratique de plus en plus, de manière très courante dans 90% des cas, 95% des cas, c'est ce que l'on appelle l'ischémie froide, cold storage des anglo-saxons. C'est une conservation statique, le foie est perfusé, réfrigéré, il est mis dans une glacière et il est apporté sur le site de la transplantation. Le froid et l'ischémie, c'est pas bon. Ça réduit les métabolismes, ça fait s'effondrer les réserves en ATP à l'intérieur des cellules, ça inhibe les transporteurs membranaires, ça augmente les concentrations intracellulaires de sodium et de calcium, ça active les enzymes protéolytiques et au moment de la revascularisation, se produit à la fois un choc thermique et oxygéné qui est à l'origine de la production de dérivés toxiques de l'oxygène. Un orage inflammatoire se produit au niveau du greffon revascularisé, des cytokines sont sécrétées, à l'origine ce qu'on appelle le syndrome de reperfusion, qui n'est d'ailleurs pas l'exclusivité de la transplantation, mais qui a été décrit au départ par Langer lors de la reperfusion des intestins en ischémie. Hein. Et puis tout ceci aboutit à la destruction des membranes, à l'apoptose cellulaire, et éventuellement, si le foie n'a pas de réserve, eh bien sa dysfonction ou sa non-fonction initiale.
Alors c'est parce qu'on s'est rendu compte que ce qui manquait le plus à un greffon conservé au froid, c'est de l'oxygène. On s'est dit, mais comment lui apporter de l'oxygène? Comment faire pour lui donner de l'oxygène? C'est pour cela qu'a été développée ce qu'on appelle la machine de conservation par perfusion hypothermique. C'est tout à fait simple par rapport au modèle précédent. Il s'agit de perfuser à travers la veine porte la solution de conservation qui a été au préalable oxygénée au niveau d'un oxygénateur à membrane. Alors cette machine est un petit peu sophistiquée. Vous avez des pressions qui sont asservies au débit et c'est ce que l'on appelle la Hypothermic Oxygenated Perfusion, HOPE, H-O-P-E, qui est l'acronyme de cette méthode de conservation. Alors aujourd'hui, il y a des tas de machines qui apparaissent sur le marché. Probablement la plus utilisée est celle-ci, la Liver Assist de la société OA, mais il y a d'autres sociétés qui se développent et on va vers la simplicité de plus en plus, en particulier celle-ci que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qui est particulièrement facile à utiliser, la VitaSmart, développée par Bridge to Life. Alors, est-ce que c'est nouveau tout ceci ? Ça n'est pas nouveau du tout. Ça n'est pas nouveau du tout. Et j'en profite ici pour rendre hommage à Volker Belzer, aux côtés duquel j'ai eu la chance de travailler en 1989 et en 1990, et qui, il y a déjà 30 ans, avait crié haut et fort au monde entier que la meilleure façon de conserver un greffon, c'était de l'oxygéner, au froid toujours, et de lui permettre comme ça de reconstituer, pendant la phase de conservation, ses stocks d'ATP pour lui permettre de lutter contre le choc de la revascularisation. Il réalisait des choses tout à fait extraordinaires, dont celle-ci, la conservation dans des conditions expérimentales et sur l'animal, de foie pendant 72 heures. Et les foies refonctionnaient. 3 jours de conservation, alors qu'aujourd'hui, on se bat à partir de 6 heures, 8 heures, au maximum 10 heures, pour implanter le greffon le plus rapidement possible. Alors, la première utilisation de HOPE chez l'homme, n'est pas si ancienne. C'est le groupe de Jean Aymond à New York, et Guerrera en particulier, qui rapporte donc cette étude comparative pilote, qui compare 20 greffons perfusés à 20 greffons conservés de manière classique, cold storage. Donc, vous voyez que le taux de dysfonction initiale est de 5% dans un groupe et de 25% dans l'autre. La différence n'est pas tout à fait significative, mais il y a une tendance. Et que la durée d'hospitalisation est par contre elle significativement plus courte dans le groupe des malades transplantés à l'aide d'un foie perfusé au froid toujours par rapport au groupe des malades transplantés à l'aide d'un greffon normal de bonne qualité conservé dans les conditions classiques de ischémie froide. Et vous voyez qu'en post-opératoire, lorsqu'on regarde les enzymes post-opératoires, transaminase, lorsqu'on regarde le pic de bilirubine et lorsque l'on regarde le chiffre de créatinine, la faveur ou en tout cas l'avantage va systématiquement et de manière significative à la conservation par perfusion hypothermique oxygénée en utilisant le système HOPE. Sur des donneurs à critères élargis, la différence est la même. Avantage, une fois de plus, au système HOPE. C'est toujours le groupe de New York qui rapporte ce travail, il n'y a pas si longtemps, avec un avantage en termes de sécrétion enzymatique en post-opératoire. Toujours la bilirubine qui est meilleure dans le groupe des foies qui est perfusée. Et puis, finalement... Ici, vous voyez, on retrouve cette différence significative en termes de durée d'hospitalisation. Les foies perfusées et oxygénées en hypothermie marchent globalement mieux que les foies qui sont simplement conservées en ischémie. C'est au groupe de Zurich que l'on doit ce travail, qui rapporte cette fois le devenir de greffons stéatosiques. Souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure de stéatohépatite comme facteur de risque de dysfonction initiale du greffon. Alors ce tableau est un petit peu lourd, difficile à lire, mais il compare peu de malades, 6 hein, dans un groupe, donc à 6 dans l'autre. Et montre que, à donneur tout à fait superposable, à condition de conservation superposable, sauf que dans un groupe, il y a de la perfusion, l'avantage va à la perfusion. 100% des malades qui ont été greffés avec un foie perfusé, alors qu'ils étaient stéatosiques, sont vivants à un an, alors que 42% seulement sont vivants à un an, alors quand le greffon était conservé en ischémie froide.
Et quand on parle de foie prélevée sur des donneurs Maastricht 3, c'est-à-dire des donneurs en arrêt cardiaque programmé, donc encore une fois des greffons à risque, là encore, la perfusion hypothermique oxygénée donne à l'avantage par rapport à des foies conservées en ischémie froide. Alors, avantage périopératoire en termes de complications périopératoires, mais avantage aussi en termes de survie, avec ici les greffons prélevés sur des donneurs décédés conservés en ischémie froide, et là, ici, en noir, les greffons, la survie des malades transplantés avec des greffons perfusés au froid, identique à celle des malades greffés à l'aide de bons greffons et conservés en ischémie froide. Et puis récemment, arrive un nouveau progrès. Là, ça devient passionnant. Parce qu'on se dit que le froid, c'est pas bon. Le froid plus de l'oxygène, c'est meilleur. Il y a un petit métabolisme cellulaire. Ça permet de conserver un peu mieux et peut-être un peu plus longtemps. Enfin, sûrement plus longtemps. Puis après tout, il ne reste qu'un pas à franchir, c'est celui de conserver de manière oxygénée et en normothermie. Au lieu d'utiliser des solutions de conservation, utilisons tout simplement du sang et perfusons l'organe ex vivo ou ex situ exactement de la même manière dont il est perfusé, in situ. Alors on doit à Peter Frian à Oxford d'avoir développé ce mode de conservation, de l'avoir développé, d'avoir mis à la mode et d'avoir aussi créé une société, donc une start-up qui a fabriqué cette machine qu'on appelle l'Organox. Cette machine qui est finalement très simple, hein. Ça a l'air sophistiqué comme ça, mais ceux qui ont fait de la chirurgie cardiaque comprennent tout de suite qu'il s'agit d'un foie ici qui est vascularisé, artérialisé par son artère et sa veine porte. Je dis artérialisé parce que c'est l'inflow sans oxygéné et l'effluent recueilli dans la veine cave, évidemment repassé dans l'oxygénateur, remonté ici dans une poche dont la hauteur finalement détermine la pression perfusion dans la veine porte et poussée avec une pompe à effet Venturi dans l'artère. Cette machine est aujourd'hui sur le marché de la transplantation, elle est marquée CE, les équipes anglaises l'utilisent, certaines équipes d'Europe du Nord l'utilisent et les États-Unis sont aujourd'hui en train de la valider et il faut que nous puissions la développer, en tout cas l'utiliser en France rapidement. Alors, il y a même eu une étude randomisée parue dans Nature, rendez-vous compte, pour un travail de chirurgie, qui témoigne à l'évidence de la supériorité de ce mode de conservation par rapport à la conservation en ischémie froide, celle que l'on pratique aujourd'hui. Vous voyez ici, c'est la conservation par perfusion normothermique, NMP. Il y a beaucoup moins d'enzymes sécrétées en post-opératoire. Les greffons décédés vont beaucoup mieux dans le groupe NMP. Tous les marqueurs de qualité du greffon sont au vert dans le groupe machine par perfusion en normothermie. Alors, quel est l'avenir de cette machine? Et c'est là que les choses sont véritablement enthousiasmantes. Je parlais d'enthousiasme, c'est plus de l'enthousiasme que de la transgression maintenant. La normothermie, ça va permettre d'allonger la conservation. C'est évident, il y a déjà des observations de 24 heures, 26 heures de conservation. Ça va permettre de faire de la transplantation dans des conditions réglées, dans des conditions programmées, aux heures où le plateau technique est à son niveau optimal de fonctionnement, et donc de nous permettre d'optimiser la compréhension des malades, la technique exercée. Nous ne serons plus pressés par le temps. La normothermie, ça va permettre d'améliorer le greffon pendant sa conservation. Et là, il y a déjà des travaux expérimentaux. Celui-ci était clinique à propos de très peu de cas, hein, 5 dans chaque groupe. Mais en perfusant, en normothermie, en ajoutant à la solution une potion dont je vais vous expliquer tout de suite ce qu'elle contient, on est capable de réduire l'intensité de la stéatose dans le greffon. Alors on y met quoi? On y met des enzymes qui stimulent la lipolyse et l'utilisation donc des lipides dans la bêta-oxydation pour produire de l'énergie. L'avenir de la normothermie, c'est aussi de pouvoir tester le greffon pendant la phase de conservation.
Imaginez qu'on injecte du verre d'indocyanine à un greffon qui est perfusé, que l'on mesure sa capacité à extraire le marqueur. On saura tout de suite la qualité du greffon et la manière dont il va fonctionner en post-opératoire immédiat, et donc nous adapter en particulier dans l'administration des traitements immunosuppresseurs à sa capacité à métaboliser. On pourra aussi demain traiter les greffons avec des antiviraux, avec des antibactériens s'ils étaient infectés chez le donneur. On pourra mettre des anti-inflammatoires pour éviter l'orage inflammatoire et cytokinique qui favorise le rejet. Et on pourra même, je pense, rapidement administrer à très forte dose, ce qu'on n'ose pas faire chez le receveur, des anticorps monoclonaux dirigés contre les récepteurs, ou en tout cas contre les antigènes qui expriment l'antigénicité et qui font le lit du rejet. Et enfin, et ce sera là ma dernière phrase, on pourra, je pense, demain transposer cette technique à la chirurgie hépatique conventionnelle en réalisant nos gestes ex vivo et non plus in situ, sans danger, et en appliquant éventuellement, mais ça c'est déjà fait, ça a déjà été rapporté par des équipes italiennes à l'heure où cette machine n'existait pas, des chimiothérapies ex vivo à très forte dose pour compléter ou préparer un geste chirurgical. En conclusion, l'expansion de la transplantation passe par l'utilisation de greffons UCD, c'est incontournable aujourd'hui, ce sont les plus fréquents. Le temps de conservation du greffon, c'est le moment le plus accessible pour éviter les dysfonctions précoces. Hier, en ischémie, la conservation se faisait, et aujourd'hui, elle est oxygénée. Mais elle reste froide, et je pense que demain, elle sera oxygénée et normothermique, donc à 37 degrés. Et pour finir, toujours cette note positive et tournée vers le futur, NOP, ça ouvre la voie à la transformation ex vivo des greffons, et je pense que c'est là un très vaste champ de recherche en sciences chirurgicales. Merci. Merci, Greg. Belle. Eric, tu veux être. Oui. Merci. Merci beaucoup, Karim. Je parlais tout à l'heure des gens qui m'avaient inspiré. Tu fais vraiment partie des gens qui m'ont inspiré. Je partage évidemment la même vision que toi. La seule chose, c'est que nous, on a la machine aujourd'hui à Paul Brousse, qu'on a réussi à mettre en place grâce à l'APHP, qui nous a apporté des sous pour qu'on fasse une étude sur les 3 centres de transplantation. Et je suis assez content qu'on puisse enfin s'entendre au sein de l'assistance publique entre Beaujon, La Pitié et Paul Brousse pour travailler de concert et tester des foies stéatosiques sur des machines. Donc j'espère que ça va marcher. Alors le seule chose, c'est que il faut savoir que l'Agence Biomédecine n'est pas du tout aidante sur le développement de ces machines de perfusion. On a publié un édito dans Le Monde sur le fait qu'il fallait innover au plan chirurgical pour répondre à des problèmes d'innovation au plan médical qui font baisser le nombre de donneurs, et je pense en particulier à tout le problème des accidents vasculaires cérébraux qui sont beaucoup mieux traités. Et en fait, cette innovation chirurgicale, elle passe en effet par les machines de perfusion. On a des études aujourd'hui dans Nature qui montrent que ça marche. Aux États-Unis, ils sont en train d'être validés FDA, et j'ai peur qu'en France, on soit bloqué, et j'ai peur d'une chose, c'est que cette étude qu'on est en train de faire sur les machines de perfusion avec des greffons stéatosiques, si jamais elle est négative, eh bien on va se retrouver avec des tutelles qui nous disent, vous voyez, vous avez fait une étude, elle ne marche pas. Donc c'est je crois vraiment qu'il faut qu'on insiste sur le fait que l'ABM doit comprendre que les machines de perfusion, c'est pas uniquement pour sélectionner des greffons parmi ceux qui sont pas beaux, c'est aussi pour transformer la manière de faire de la transplantation hépatique, transformer une activité urgente en activité froide. Et comme tu le disais, exactement comme le robot, la machine de perfusion, c'est un support d'innovation. C'est-à-dire que c'est avec cette machine de perfusion qu'on va développer des choses. Donc il faut vraiment que des gens comme toi appellent l'ABM, poussent l'ABM pour qu'il se passe des choses. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que l'ABM, c'est l'ABM. Voilà. Elle est là, il y a des avantages, des inconvénients. On ne peut pas leur reprocher leur prudence. Ça permet parfois de lourds dérapages. À nous, finalement, de leur démontrer que c'est extrêmement utile. Et il y a des... ce qui me paraît compliqué dans notre affaire, c'est de trouver les financements nécessaires pour lancer les études.
Vous avez trouvé à la PHP de quoi financer ces études. Nous sommes, nous, en train d'essayer de trouver des sous à travers les appels à projets pour l'innovation qui sont ouverts dans tous les CHU de France. Je crois vraiment que c'est à nous de faire cette démarche positive pour essayer de démontrer le bénéfice. Alors, le bénéfice, vous vous êtes attaqué. L'étude contrôlée a montré que c'était mieux que l'ischémie froide, mais n'a pas montré de bénéfice en termes de survie des malades, ni en termes... C'est mieux, les enzymes sont plus bas, mais ça se traduit, ça ne se... Oui, c'est vrai. Et la FDA demande une étude, donc fait une étude, n'aie pas peur de faire une étude. Non, j'ai pas peur de faire une étude. Le problème, c'est qu'on fait une étude uniquement sur des greffons très stéatosiques. Et que si jamais l'étude est négative, on va être... Vous vous êtes attaqué là à un problème compliqué. Les greffons très stéatosiques, c'est peut-être déjà à la marge. Nous, on dépose un projet tout simplement pour montrer qu'on peut allonger la durée d'ischémie et transplanter le jour plutôt que la nuit. Allez, juste pour rebondir, mais très rapidement sur ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'Académie de chirurgie, qui est quand même une instance qui est aussi... Il y a les tutelles dont vous parlez, mais il y a aussi l'Académie de chirurgie qui ne demande qu'à être convaincue par les travaux que vous montrez, qui sont remarquables. Et on voit la puissance de travail qu'il peut y avoir et la force de conviction qu'il peut y avoir au travers de vos présentations ici même. Et je crois que l'Académie a certainement un rôle à jouer pour peser sur ces tutelles. En transplantation rénale, on utilise les machines. Et en fait, la difficulté, c'est d'avoir du personnel pour les surveiller la nuit. Parce qu'on surveille la pression, c'est des machines normothermiques, sans oxygénation, mais on n'a personne pour les surveiller la nuit. Donc il faut qu'on dise au chef, tu restes auprès du rein, etc., tu mesures les pressions, etc. Donc il y a aussi, de la part de l'ABM, une organisation régionale pour pouvoir perfuser ces organes, les reins, les foies ensemble. En fait, on arrive maintenant à quelque chose qui a été essayé depuis des années et des années. Je me souviens, il y a au moins 30 ans, il y a un chirurgien belge en particulier qui a essayé de perfuser des foies. C'était tout à fait logique de conserver des foies et on n'y est jamais arrivé. Et puis là, petit à petit, sans qu'on sache pourquoi, on y arrive. Mais c'est très bien et ça me paraît, c'est très convaincant ce que tu nous décris. Et on va pouvoir, c'est tout à fait logique, d'abord sortir de l'urgence, deuxièmement améliorer les greffons, tout à fait logique. Alors, cependant, ça ne répond pas exactement à ta question. Ce que tu as mis au début, c'est qu'il nous manque des greffons. Alors certes, on va gagner des greffons, les mauvais greffons, les greffons stéatosiques, mais pas complètement. En tout cas, je trouve que ça va vers une amélioration de la transplantation, très souhaitable. C'est un peu dommage que dans quelques années, quand on sera arrivé très bien, il y aura peut-être l'organe bioconstruit qui va arriver et qui va complètement supprimer la transplantation. Ou en faire. Comment ? Mais je crois quand même à l'organe bioconstruit, ça arrivera, je ne sais pas quand, ça arrivera. En tout cas, il faut continuer en attendant de faire tout ça. Merci beaucoup de ta présentation, que j'ai trouvé en tant que transplanteur vraiment très, très enthousiaste. Et quand on voit cette machine, on se pose la question des transports, parce que les foies, on les récupère dans une grande proportion des cas dans des villes où on voyage assez la nuit pour aller chercher des foies à l'extérieur ou des reins. Et alors, qu'en est-il justement du problème de transport avec ce type de machine qui m'a l'air encore très volumineux ? Alors, cette machine a été conçue pour être transportable, donc on peut la mettre dans une ambulance. Et ça me rappelle la photo de Belzer et Salvatierra dans les années 70 qui se baladaient avec une camionnette, avec leur machine. Ils perfusaient au froid entre Los Angeles et San Francisco pour faire les choses. Donc cette machine-là, elle est transportable et elle est probablement miniaturisable encore. On va pouvoir gagner. Cela m'amène à penser que le prélèvement d'organes et la conservation d'organes sont en train de s'organiser.
Je veux dire par là que, à mon sens, très vite demain, vont disparaître ces balais incessants de chirurgiens préleveurs qui se promènent comme ça dans toute la France, qui se croisent parfois sur les aéroports, sinon dans les airs, et qui se rendent compte finalement qu'ils vont au même endroit ou qu'ils reviennent du même endroit. Vous imaginez l'argent et l'énergie gaspillés. On est déjà en train de réfléchir, et sous l'impulsion de l'Agence de la biomédecine, c'est un petit peu son côté positif, là, on est en train de penser à la création d'équipes dédiées à la transplantation d'organes. C'est-à-dire qu'il y aura dans les régions, il y a 5 régions en France, 5 équipes qui ne font que ça, qui prélèvent, qui vont, qui mettent sur les machines, qui mettent sur les machines à froid ou à chaud, et qui redistribuent les greffons, une espèce de professionnalisation finalement et d'optimisation du prélèvement. Ouais. Oui, le FLOC, Paris, c'est une question de naïf. Vous allez transfuser du sang dans le greffon. Alors c'est pas le sang du donneur, c'est pas celui du receveur, c'est n'importe quel sang. Non, c'était une très bonne question. Ouais. Pas naïf du tout, c'est du sang du donneur. C'est du sang du donneur. Le greffon donneur est perfusé avec son sang. Ah oui, et il est deux fois sollicité, quoi, si je comprends bien. Oui. Mmh. Bon, une question. Écoutez, merci. Bon, merci, Monsieur le Président, de nous avoir confié cette séance. Cette séance dont je suis très fier par vraiment la qualité des interventions. Je dois avouer que je n'avais pas mesuré un certain nombre de réactions dans notre choix générationnel qui fait que ça a réveillé des nostalgies, des visions un peu plus. Mais je suis très content quand même d'avoir invité. Merci infiniment. Merci.